Bonjour. Comme annoncé la dernière fois, je vais vous montrer dans cette pitonnerie comment charger dans un fichier SQLite qui représentera notre base de données un fichier contenant les données initiales. Comme je ne gère pas du tout mes DVD, même pas dans un tableur, je suis allé chercher une liste de films sur le site du Cinéclub de Caen dont voici l'adresse. Vous pouvez utiliser les mêmes données que moi ou d'autres. J'ai copié les données dans mon browser, puis je les ai collées dans notre pad avant de les sauvegarder. Vous pouvez remarquer qu'une information comme le pays est parfois alignée et parfois pas. C'est typique de ce qui se passe quand une tabulation est utilisée pour séparer des morceaux d'informations différents. Remarque importante, vous vous rappelez je pense tous les problèmes avec les caractères accentués Quand on récupère des données sur Internet de cette manière, le codage est en général ce qu'on appelle UTF8. C'est aussi ce que stock SQLite et c'est ce que l'on choisit souvent comme stockage des caractères dans une base de données. On va en tenir compte dans Python. Je commence par importer mon module normalisation, dans lequel j'ai non seulement mis la fonction pour enlever les accents, mais également celle qui extrait une liste de mots-clés. Pour utiliser SQLite, il faut que j'ajoute Import SQLite 3. Comme avec Python, il y a une assez grosse différence, pas tant au niveau de la syntaxe SQL qu'au niveau du stockage des données, entre les versions 2 et 3 de SQLite. Il y a des modules pour accéder à toutes les grandes bases de données. La première chose quand on travaille avec une base de données, c'est d'obtenir une connexion à cette base de données. C'est là que se trouve la plus grande différence entre SQLite et un vrai SGBD. Pour un vrai SGBD, il faut dire sur quelle machine il se trouve, qui n'est pas forcément celle sur laquelle on est, donner un numéro qu'on appelle le numéro de port qui est nécessaire pour se connecter au SGBD, préciser en général à quelle base on se connecte parce qu'un serveur de base de données peut en héberger plusieurs, et également fournir un nom de compte et un mot de passe parce que l'on ne se connecte pas comme ça à une base de données. Avec SQLite, c'est beaucoup plus simple. L'unique paramètre est un nom de fichier qui est là où SQLite rangera les données. S'il n'existe pas déjà, il sera créé. Vous pouvez donner l'extension que vous voulez. J'ai pris BDD comme base de données. On voit souvent DBF comme database file. Parfois, on voit .sqlite. N'utilisez pas .sql parce que c'est ce que l'on emploie pour des fichiers qui contiennent des commandes SQL et pas des données. La méthode cursor de la connexion vous retourne ce qu'on appelle un curseur qui est en gros un objet associé à l'exécution d'une commande SQL. Pour exécuter une commande SQL, quelle qu'elle soit, la première chose dont on a besoin, c'est un curseur. La première chose que je vais faire dépend de la manière dont je vais utiliser mon programme. Il est fréquent avec un programme de chargement que l'on doive s'y reprendre à plusieurs fois, en général à cause d'erreurs bêtes dans les données, par exemple une donnée normalement obligatoire qui manque, une faute de frappe qui fait qu'une des contraintes définies dans la base ne peut pas être satisfaite, des choses comme cela. En général, on corrige à la main ce qui ne va pas, et on relance. Je vais donc commencer par un bloc try, dans lequel je détruis, avec la commande SQL drop, les tables si elles existent déjà. Cela m'évitera de gérer les erreurs si j'essaie de créer une table qui existe déjà. Si les tables n'existent pas encore, au premier lancement du programme, j'aurai une exception SQLI3.OperationallyError, que j'ignorerai en mettant simplement la commande Python pass. Pour créer une table, je passe simplement le texte de la commande SQL à la méthode execute du curseur. Plusieurs choses à remarquer. Je commence et termine le texte de la commande par trois guillemets. C'est une notation Python que je n'ai pas utilisée encore. Cela me permet de passer à la ligne dans le texte, ce qui, avec SQL, est bien pratique parce que cela rend les commandes beaucoup plus lisibles. Autre chose importante, j'ajoute auto-increment à côté de la définition de mon identifiant de film, ce qui fait que SQLite numérotera automatiquement. MySQL utilise une convention similaire. Avec d'autres produits, c'est parfois différent. Une bizarrerie de SQLite. Si l'on met auto increment, il faut que le type soit integer en toutes lettres. int ne suffira pas. Vous remarquerez que certaines de mes données sont obligatoires, ce que j'indique par not null. Et si je ne mets rien, elles sont facultatives par défaut. En fait, j'ai mis obligatoire les données dont je dispose maintenant. Le reste, je le mettrai à jour plus tard. La table des mots-clés, c'est identique. Sauf que là, l'identifiant du film viendra de l'autre table, donc je ne mets pas auto-increment, mais une contrainte de référence. Le vrai terme est intégrité référentielle. Et je précise que la clé primaire est la combinaison des deux colonnes. Je ne mettrai un même mot-clé qu'une fois par film. Maintenant que j'ai mes tables, je peux lire mon fichier pour les charger. Je vous ai dit que ce que j'avais récupéré sur Internet était de l'UTF-8, que je peux facilement transformer en Unicode, que c'est bien géré Python, grâce au module Codex. Ce module contient des fonctions d'ouverture de fichiers qui ressemblent aux fonctions normales et s'utilisent comme elles, sinon que je précise que mon fichier contient de l'UTF8. Quand je lirai le fichier, la conversion sera automatique. Ceci demande bien entendu un import codex au début de mon programme. Maintenant, je voudrais introduire une notion très importante. Nous allons voir tout de suite comment ajouter des lignes à une table. Disons que j'exécute une commande SQL qui ajoute comme film Le Père Noël est une ordure. Derrière, j'ajoute dans la table des mots-clés ceux qui correspondent au titre. D'abord père, puis Noël, et puis là boum problème. Je vous ai dit que souvent un SGBD tournait sur notre machine. Il peut y avoir un problème réseau, une coupure temporaire. Le serveur peut avoir un problème matériel. Et là, je risque de me retrouver avec quelque chose d'à moitié fini. Ce que je veux, c'est que si j'ai le Père Noël est une ordure dans la table des films, je me retrouve avec père, Noël, est et ordure dans la table des mots clés. Tous les mots pas simplement Père et Noël. Ou à la limite, je préfère qu'il n'y ait rien du tout. C'est un peu comme quand vous voulez aller voir un film avec des copains, vous êtes cinq et il ne reste plus que trois places dans la salle. Vous préférez dire, eh bien, on ira ensemble à une autre séance. Là, c'est pareil, je pourrai toujours recharger correctement quand le problème sera réglé. C'est une question d'avoir des données cohérentes, la fameuse intégrité des données que les bases de données essaient de garantir. Cette notion de dire je veux que tout passe ou à la limite rien du tout, cela s'appelle la notion de transaction, c'est-à-dire un ensemble de commandes SQL qui doivent toutes passer, ou alors aucune. Avec certains produits, dont SQLite, on commence par exécuter la commande SQL begin, qui veut dire commence, transaction. Avec d'autres produits, c'est implicite. Dans tous les cas, on finit la transaction en appelant soit la méthode commit de la connexion, pour dire que c'est bon, soit sa méthode rollback, qui dit annule tout ce que j'ai fait depuis le début de la transaction. Vous remarquerez que ce sont des méthodes de la connexion. Vous pouvez avoir plusieurs curseurs en même temps, les opérations transactionnelles sont globales. Si vous ne dites pas Begin Transaction avec SQLite, chaque commande SQL qui modifie la base est une petite transaction que vous ne pouvez pas annuler. Vous vous doutez bien que mon programme va consister à boucler sur le fichier en entrée, charger un film, puis charger ses mots-clés, et recommencer avec le film suivant. Au minimum, il faut que je commence une transaction avant de charger le film, puis que je la termine après le chargement de ses mots-clés. Ce n'est pas ce que je vais faire. En fait, je vais mettre tout le chargement dans une transaction. Ou je charge tout, ou je ne charge rien. J'ai deux bonnes raisons pour faire cela. D'abord, quand j'exécute un commit, le SGBD doit écrire des choses sur un fichier, ce qui ralentit très sérieusement les opérations. Vous pourrez essayer, la différence est très marquée. La deuxième raison, c'est que souvent il est plus facile, surtout quand c'est rapide, de tout annuler et de recommencer de zéro plutôt que d'essayer de reprendre une opération en cours. Il ne faut pas avoir peur, j'ai vu des chargements de plusieurs millions de lignes d'un coup, pas dans SQLite. Bon, maintenant on peut y aller. J'ai ouvert mon fichier, je commence une transaction. Je boucle sur les lignes du fichier. Je récupère dans une liste que j'appelle détail les différents éléments de chaque ligne. J'élimine de chaque ligne le passage à la ligne finale et les espaces aux extrémités avec la méthode strip, puis je sépare avec la méthode split sur le caractère tabulation, qui se représente par une barre de fraction inversée suivie d'un petit t. Comme il n'est pas impossible que les tabulations soient précédées ou suivies d'espace, j'ai écrit une toute petite fonction nettoie liste qui applique la méthode strip à chacun des éléments de la liste avant de la retourner. Qu'est-ce que j'ai dans le fichier que j'ai récupéré sur le web? Le titre, le nom du réalisateur, le pays et l'année dans cet ordre. J'attends donc quatre informations. Première chose, je vérifie que j'ai bien quatre informations. Il pourrait y avoir par erreur une tabulation de trop ou en manquer une, et je risquerais de charger des données fausses. Si je n'ai pas quatre informations, j'annule tout avec un rollback, puis je lance une exception qui dit où j'ai rencontré un problème. Value error n'aime pas trop les accents, j'en tiens compte. Sinon, je peux charger les informations concernant le film que je viens de lire. Je vous l'avais dit dans ma présentation rapide des bases de données de SQL, pour ajouter une seule ligne à une table, on exécute insert into le nom de la table ici film. La liste des colonnes entre parenthèses, values, et entre parenthèses, un point d'interrogation par valeur que je fournis. En paramètre additionnel, la liste qui contient les valeurs qui prendront la place des points d'interrogation. Vous remarquerez que l'identifiant du film n'apparaît nulle part. Si vous vous rappelez, j'avais dit à la création de la table qu'il était auto-increment, c'est-à-dire que SQLite gérait tout seul la numérotation. Sauf que je vais en avoir besoin pour associer à chaque mot-clé l'identifiant du film correspondant. Je vais en fait retrouver le tout dernier numéro produit par le système dans l'attribut lastRowID du curseur. C'est très classique avec la base de données. Il y a toujours un attribut ou une fonction pour vous donner le numéro le plus récemment créé. À partir de là, c'est facile. Je prends le titre, c'est-à-dire l'élément 0 de la liste détail. J'en extrais la liste des mots-clés, sur laquelle je boucle pour insérer chaque fois la liste constituée de l'identifiant du film et du mot-clé. En fin de boucle, commit. C'est super important, si vous ne retrouvez rien dans vos tables, c'est que vous l'avez oublié, parce que dans ce cas, tout est annulé. Je ferme mon curseur, je ferme ma connexion, et j'ai fini. Nous verrons dans la prochaine pitonnerie comment écrire un programme pour interroger et modifier les données que nous avons chargées dans SQLite. En attendant, si vous utilisez Firefox, je peux vous recommander le module d'extension qui s'appelle SQLite Manager. Il vous permettra d'ouvrir facilement le fichier dvd.bdd pour regarder ce qu'il y a dedans, et même de vous faire la main sur SQL si vous le souhaitez.